Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi, Yalelo, nous avons décidé de parler encore une fois de plus de la sécurité, réagir sur la sécurité de notre pays. Après que Tata Mokonzi a outiao en Afrique du Sud na week-end passé, donc il est rentré à Lubumbashi et puis donc... Il y a une actualité qui commence la semaine et que Kendaki na réseau weekend mobimba oyo batwebele bazo tunanga balobi mais Germain ndenge nini olobeli makambo ya sécurité te toza komona mokonzi akomi kotambola na bagarde moko c'est comme si ce sont des mercenaires ou tout ça. Moi je me suis dit effectivement actualité wana ezali et puis l'intervention aussi sortie médiatique ya Kagame. Kagame qui est sorti médiatiquement lobby que non il est prêt à kubundisa Congo tout ça et la question a été évoquée ya kotuna batu sur les réseaux sur X batu ebele ba lobby ango est-ce que Congo est prêt pour na kubunda na Rwanda est-ce que sommes-nous prêts vraiment à faire la guerre au Rwanda alors beaucoup de gens sont partis dans les dans tous les sens ba tubalobeli makambo belé ba fingi Kagame ba lobi Kagame azako loba boye azo sala boye oh non Kagame est pratiquement désemparé ba tumsusu ba lobi que force na biso faire de sen na biso ele ki ya Rwanda tokoki ko bunda kaka en tout cas la plupart des Congolais qui m'ont posé cette question là sont unanimes à ce que to ça la guerre na Rwanda. Na landi pe ba point de vue abatu ebele o bazako loba ke non bon est-ce que c'est vraiment nécessaire à ce que Congo tokende na guerre na Rwanda batu ebele baza pre balobi non toza pre mais j'ai écouté quand même la voix de la raison batu msusu bazako loba balobi mais on peut pas aller en guerre avec le Rwanda est-ce que c'est pas intelligent que président Nabiso a se rétracté qui n'a pas proposé na eo ya lobaki ke no Kagame akolala sou na Rwanda te. Ça c'est un point que nous sommes posés, nous nous sommes dit est-ce que nous pouvons un peu réagir ou bien tout réfléchir en gros sur l'actualité. Bon, ceux qui disaient par exemple que non l'armée rwandaise elle est plus forte que le FARDC, yangwana ça fait presque 2 ans en gros depuis le 13 juin. Donc 2022 Bunagana izuamaki et puis Bunagana ezana maboko ya M23 version donc M23 appuyé par l'armée rwandaise. Maintenant, je me suis posé la question de savoir pourquoi Kagame Abimi avec beaucoup d'assurance avec beaucoup d'arrogance à lobby non, nous on va faire la guerre au Congo, nous pouvons faire la guerre au Congo. Est-ce que Yemoko a mis monaki ke azamuke s'est-il senti que non il est prêt pour faire la guerre au Congo? Quel est le problème finalement qui est là oyo Kagame ko kozwa assurance que non abundisa Congo en guerre face à face donc deux pays. Est-ce que Kagame est capable de nous envahir? Je vis l'engouement na yoki banguma ya ba Congolais belé. Obaza koloba non il faut ko écraser Rwanda tout ça. Rwanda c'est un petit pays, Rwanda c'est comme ça si Rwanda za azana makoki a kosala guerre tena Congo. Bon, je me suis demandé bango baza ko s'appuyer na nini. Il s'appuie beaucoup sur le patriotisme na angumana population oyelingi tosi la naka na Rwanda mbala moko so to kende ko bomana kuna to kende ko bomana. C'est ça que le président aussi a suivi en disant que non. À partir de Goma, nous pouvons taper le Rwanda et puis on va faire la guerre, tout ça. Moi, je pense que ça, c'était un discours et à campagne. C'est un discours moko sans plutôt ta la réalité à Makamunengezo kende sur terrain. Balobi, ba Congolais, balobi, que ceux qui armée rwandaise, ils sont capables à envahir Biso, ba koka déjà kozwa Goma ou nous envahir, mais ils ne sont pas capables. Donc, nous, Congolais, nous sommes capables de nous défendre et de mater les Rwandais ya koboma donc koboma ba Rwandais tout ça et puis sur ça vous allez voir beaucoup de Congolais envoient de vidéos en disant que non
ils ont massacré les Rwandais. Les Rwandais sont en train de perdre les hommes au niveau yanani ya na guerre au côté yanani ya Kanyabayonga kuna tout ça. C'est pour cela que bazo kokate donc l'armée congolaise donc faire de ces exams kasi koleka armée rwandaise. Ça c'est quelque chose que moi je dis c'est un sursaut patriotique. Mais quand je me suis dit pourquoi est-ce que Félix s'est rétracté? Yakoloba tokoki okende na guerre te. Cherchons un peu la solution donc diplomatique ou bientôt solo là na Kagame pour que totia makambo na se. Et puis j'entends aussi que non, c'est comme si le Congo Brazzaville bazako linga ba sala médiation pour que totia na se to solo là na Kagame. Kagame lui a dit que non, il n'a jamais donné de conditions à ce que yakosola na Congo pona makambo ya nani ya Est République démocratique du Congo. Vous allez voir que dans même les propos de Kagame, Kagame est sûr, ça c'est selon moi, Kagame est sûr qu'il peut nous battre. Et sur le terrain, l'armée rwandaise, elle est disciplinée, elle est équipée, elle est organisée plus que notre armée. Total asiko côté Nabisso. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à reconquérir, même si nous avons une armée, il y a beaucoup d'hommes et tout ça. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à conquérir ba cité, ba ville, oyo, M23 Zanango? Parce que le M23, nous ne pouvons pas le nier. Elle est appuyée aussi par ces éléments-là. Il y a FPR, donc il y a armée rwandaise. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons dire sur ce sujet-là? Éclaircissement, nini, oh, awana contact pro live, na kouiko, yé la bino, ya kolobato solana, nubiso na bino likambo, oyo. Moi, je veux m'appuyer sur la guerre moderne. Bon, moni, bino moko, par exemple, Narissi, ndenge azako kende na Ukraine malgré que za muke nani côté kuna Russie za ezali za na armée moko makasi mais ils y vont aussi d'une façon méthodique d'une façon malembe bazako yeba ils ne vont pas ngulu bazo kende kuna ngulu te na guerre ya lelo la guerre moderne ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas même les quantités des avions ou quoi que ce soit que vous avez qui peut vous faire gagner cette guerre-là. Moi, je me suis dit, il y a quelque chose que nous devons réfléchir là-dessus pour que tout le balélo que non, à ta armée congolaise, Eza aligné parmi les grandes armées d'Afrique. Mais nous ne parvenons pas à reconquérir notre terre, même si à ta la guerre est devenue pratiquement médiatique et puis méthodique. Une chose est certaine. Tant que tu as comme awa, na kotie la bino photo, que déjà de l'autre côté, Félix Tshisekedi s'entoure maintenant avec les mercenaires pour sa sécurité. Nous l'avons vu, Batounio surtout, Bamoniango. Donc, est-ce qu'on peut encore se dire que Félix Tshisekedi azako compte na armée na epo na abeta Rwanda? Est-ce qu'il compte encore beaucoup sur le phare de pour que Makambo est si là d'une façon militaire? Est-ce que ne sommes-nous pas en train de rêver? Ne sommes-nous pas en train de voir que tozana patriotisme mokoboe, foi mokoboe, tozana réaliste été? Ça, c'est la question que je pose. Et moi, je me dis, Makambo oyo tozana ngona Congo, Ponato Bunda na Rwanda et qu'on peut permettre de sauter sur le plan militaire de gagner guerre. Pourquoi je dis ça? Parce que, un, d'abord, nous ne sommes pas sûrs de notre armée. Pourquoi? Si nous étions sûrs de notre armée, nous tokokai ko bengisa kabae ya sete, tokokai ko bengisa batwebele te batwo ya sokia ya sadek baya kosali sabiso, ponato bengana M23. Si nous étions très forts, nous pouvions nous battre sur terrain. Mais quelles sont nos erreurs? Ba erreur na biso ou bien ba faille na biso o ezako la kisake no toki ko sala guerre te ezanini? C'est parce que jamais dans l'optique anani ou bien na maloba na biso, jamais nous avions dit que non, nous sommes sûrs que non, faire de ce koki ko beta kuna. Pourquoi? Parce que un, nous sommes certains que na armée na biso FARDC eza infiltré. C'est nous-mêmes qui le dit. Eza biso moko ka mutolo bakango kaka que non armée na biso eza infiltré. Et donc il nous sera difficile à ce que to battre à tato gagner guerre moko quelque part, même si so que eza Rwanda te, même si eza peut-être ba soudanais côté kuna nania ya na frontière à Soudan kuna.
Nous ne sommes pas sûrs. Notre armée est faible, malgré que nous nous sentons très forts, malgré cet patriotisme. Est-ce que nous nous avions déjà dit, nous avions vu déjà que non, l'armée rwandaise, tant que ça, nous nous contentons à dénoncer que non, Rwandais ont agressé Bissot, Rwandais ont salé Bissot, Rwandais ont... Nous sommes beaucoup dans le loup bois que sur le terrain. Même si aujourd'hui, il y a un peu d'accalmie. Est-ce que c'est ainsi que nous pouvons dire que non, les FARDC sont en train de gagner du terrain? Non, c'est une petite accalmie. La guerre est à la Kandengwana. Guerre est à la Kandengwana, est à la Kandengwana, est à la Kandengwana, pendant ce temps, est-ce que nous pouvons réorganiser notre armée? C'est ça la question que nous devons nous poser en disant, qu'est-ce que nous faisons pour que, vraiment, est-ce que Toyebi, comment est-ce que nous pouvons gagner cette guerre-là à l'est de la République démocratique du Congo? Mais nous avons vu, le fait sont là et que, Mokonzinabiso a zui, Batumsusu, ba mercenaire d'abord, pour se sécuriser d'abord lui-même. C'est-à-dire que FARDC est capable à co défendre Yété. Armée Naye, même bagarre présidentielle, il n'a plus confiance à ça. Et ça fait peur. Et Zobangi Sabiso, soki mokonzi na biso si quoi a komi na marque wana. Biso ba peuple, toko zalanin, toko lobanini. Allons-nous continuer à pousser le président de la République à koloba que non tokende na guerre? Parce que aujourd'hui, Kagame est certain, et Kagame, quand il dit quelque chose, en tout cas, il le fait. Ça, c'est sur le point. Il y a Koloba côté Kuna. Moi, je ne suis pas ici pour dire que non, pour applaudir Kagame ou l'armée rwandaise. Non. Les faits nous démontrent sur terrain que il y a quelque chose, il y a un oui sous roche. Nous, en République démocratique du Congo, nous sommes en position, moko ya cohésiter que non, tokende, comme Bitumba na Rwanda. Nous ne pouvons pas faire la guerre avec le Rwanda. Pour l'instant ici. Pourquoi? Parce que ba faiblesse na biso o eza ko bima libanda e ko lakisa biso ke non guerre oyo soki toke nango sur le plan militaire ya koloba ba makambo ezo le kana est ya République démocratique du Congo toke nango na ndenge ya kosil sango na loma na ndenge ya kikongole na banzi ke to kokate. Nous pouvons vanter tout nos victoires de dans le temps. Nous pouvons vanter le FARDC, le phase tant que Zalaka na commandement ya Mobutu, est-ce que cette armée-là, Zalaki a armée à Kobanga? Non. Mobutu pouvait intervenir au Rwanda et aller faire des actions au Rwanda. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons avoir une stratégie à Kobangi Sakagame? Ya Koloba, par exemple, que non, nous allons attaquer les Rwandais à partir du Rwanda. Nous avons cette intelligence-là. Est-ce que nous avons la tactique ou toza nango? Nous devons être quand même réalistes, Bande Konangai. C'est pour cela que moi je me dis, il est difficile de dire aujourd'hui que non, nous pouvons gagner cette guerre-là militairement. Parce que d'abord, nous ne sommes pas capables de nous protéger nous-mêmes. Comment est-ce que nous allons gagner quelque chose que nous, la guerre, pendant que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous protéger? Il y a l'exemple typique, on a l'obéli bino awa, bino moko bo moni que non, président de la République a recouru à des mercenaires pour sa propre protection. Ce qui a sali ndengwana, est-ce que Angwana akoloba keno azwa ba mercenaire poto kende ko beta Rwanda? Je crois que nous devons réfléchir à deux fois. Alors, quelqu'un a dit que non, il faut d'abord que nous puissions nous réorganiser et que cela pourra prendre peut-être 10 ans, peut-être 5 ans. Mutuana lobela kinga et puis atinde linga un message à lobby T Germain pour que nous puissions gagner la guerre et que na moment oyo il faudrait que tu réformes l'armée Nabiso. Réformer l'armée, ce n'est pas le recrutement. Ce n'est pas l'achat de matériel. Administration armée Nabiso, ça a fonctionné. Le tout, moi, je pense que ça fonctionne dans le système Yamboka Mobimba et la politique. Les réformes que nous devons faire pour gérer notre pays. Et comment est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord, nous être tous derrière Mokonzi, armé Mokotozako, Kimoibi et Sili, parce que tant que nous sommes dans Mindou qui est Tozosomba, Tozosomba est l'un ennemi. C'est l'ennemi qui en profite. Batou Bazana, Kati armé Nabiso, Bazako trahir Biso. Comment est-ce que nous pouvons gagner dans modèle Otozali? C'est pratiquement impossible. C'est cela que moi je me dis. Nous sommes peut-être en train de rêver. Rêver, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
toza ko tchaka ka nationalisme wana liboso en disant que non biso to ki ko beta mate. Oui, c'est no, c'est de notre propre droit. Ya koloba ke non to ki ko beta Rwanda to ki ko sala boy parce que toza makasi parce que toza boy. Mais tout ce que nous avons, pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Parce qu'effectivement nous connaissons que Rwanda est beaucoup plus organisé, beaucoup plus. Nous pouvons dire tout ce que nous disons. Mais le phare de c'est jusque là toza na ba kokoso ebele o ekoki ko permettre biso to gagner guerre te. Ezali ebele ya ngwana nga na linga kina to lobela awa. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'instant? Parce que on a contact pro live, souvenez-vous, nous venons avec les solutions. Moi, je crois que lorsque nous disons que non, il faudrait que nous puissions continuer la diplomatie, c'est parce que ba faiblesse na biso oyo eza réel na kati ya mboka na biso eza ko permettre biso te ke to kende to envahir Rwanda. Ba tumsu bazo ko loba non, il faut kaka décision moko, ce n'est pas la décision. Rwanda eza techniquement et tactiquement organisé plus que nous, même si c'est un petit pays. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aléas qui entrent en danse pour que Rwanda a déstabilisé biso na modèle oyo. Est-ce que bazo déstabiliser biso moko? Est-ce que baza ko déstabiliser biso na ba élément na biso moko? Parce que imagine-toi par exemple le M23 que nous disons que ezako ki vide, mais c'est le Rwanda qui les appuie bien sûr. Mais ceux qui Rwanda, ceux qui tolobi que non, Rwanda nde ezako appuyer yango biso to solo na M23 te to solo lande na Rwanda. Rwanda komona akomona que non faiblesse na biso et que c'est par là aussi que moi je pense que président de la République a zwa ki option na koloba te. Soyons prudents parce que ceux qui to meki kaka parce que on nga naza komona o tactique o pogeti nani Kagame azu yango eza tactique moko yako tumola. Et ceux qui to meki il aura raison yako envahir Congo parce que rappelez-vous armée ya Mobutu na 94 tangu Afde le beti yango, c'est le Rwanda, tous ces pays là, nous avons, ce n'est pas seulement même le Rwanda, il y a l'Ouganda qui s'organise en disant, soki ka Tshisekedi asali kaka erreur ba, alobi to bundana bango, ils vont encore se réunir justement pour nous envahir comme le FARDC et comme l'Afde l'a fait. Armée na biso bandeko, soyons réalistes, nous ne sommes pas encore capables ya kobeta Rwanda na modèle obiso tozo kanisela. Je ne pense pas que nous sommes capables. Pourquoi? Parce que notre armée, même si nous avons 100,000 hommes, bakobeta biso kaka. Est-ce que bango ba si bayaka kotindi kabiso na ba avion? Est-ce qu'ils ont envahi Bunagana avec les avions? Est-ce que ils ont envahi Bunagana avec les grandes babilon comme quoi makasi? Mais c'était tout à tout simplement tactiquement. Et nous disons par exemple, même ata na ba sur terrain tant ou babeta kabiso, tant ba récupérer ka bamboka msusu wana. Nous avons des nouvelles que er msusu komona eza batu ebelete. Balobaka o M23 eza na batu ebelete mais c'est l'armée rwandaise. OK, l'armée rwandaise est-ce qu'elle utilise ka ba bundeli oyo faire des ça na ngote? Pour l'instant Tokoki kosomba ba mandoki me, ça va nous prendre le temps pour la formation et tout ça. Donc la solution n'est pas militaire et la solution est interne. Toti kana nu Kagame à côté, to bongisa nanu eloko na biso tozolo ba faire des scènes na biso, to bongisa yango, to tala ndenge nini fonctionnement ya pays koki kozala batu nyoso tout bazala na cohésion nationale wana, to résoudre ba problème interne pour que finalement armée ezala bien administrée, armée ezala bien formée. Nous ne pouvons pas aujourd'hui recruter. Combien de fois le président de la République a recruté? On nous a parlé de recrutement à 30 000 hommes, recrutement. Mais nous n'arrivons toujours pas à récupérer Bunagana. Nous n'arrivons pas à imposer cette paix à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème en interne qui doit d'abord être résolu avant que tombe le Kanamaka Moussousou. Voilà un peu mon point de vue. Na début ya semaine oyo on a bandai koloba bato belé baloba ki non réaction non ya weekend olobela ki makambo nani tenga na lobela ki ango te. Pourquoi? Parce que j'attendais encore voir na yo kapé bino makambo comment est-ce que les Congolais sont en train de réfléchir à propos à likambo oyo ba mercenaire oyo papa mokonzi akomi ko s'entourer na bango, ça veut dire quoi? C'est un message que tozo banga et puis tozo capable te à ko assurer sécurité na biso moko.
Ba mercenaires mususu baza kote kuna bavu bazo futa manenge nini. Quel est le fait que nous sommes en train de faire, même si ce sont des secrets militaires, mais les faits sur terrain montrent que nous sommes encore très loin de l'armée rwandaise et que nous ne pouvons pas engager une guerre comme ça. Ya kolobato beta Rwanda tokende kobunda na Rwanda. Combien de fois nous avons déjà attaqué le Rwanda frontalement comme ça, ou bien tolobinek toi envahir même attaque Gisenyi ou bien tokoti atan na territoire moko à Rwanda. Combien de fois nous l'avons fait? Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que tozobanga? Est-ce que c'est kobanga ba relation diplomatique na biso na niveau international pour to korba condamner biso te? Mais nous sommes en droit de nous défendre. Si nous pouvons déclarer que le Rwanda est en train de nous déstabiliser, nous sommes aussi en droit de prendre les armes et d'aller au Rwanda. Tokoiko kende kuna. Mais soki tozo kende kuna te, pona nini tozo kende te? Pourquoi nous sommes pas encore allés là-bas? C'est parce que bisomoko confidence a ko gagné guerre et zalite bande konangai. Voilà un peu le point de vue sur cette insécurité et comment l'armée congolaise ne peut pas et nous ne pouvons pas engager na makambo kagame abimiswana. Moi je pense que ça c'est une provocation que soki toza mayele te, soki to sali RRT, nous allons encore avoir ce que makambo ya AFDL, parce que ils ont déjà baza déjà na branche na bango ya armée rwandaise qui est le M23 est soutenu pratiquement avec le Rwanda. Alors na M23 ezana banani ezana ba congolais, c'est-à-dire qu'ils vont encore utiliser la même tactique qu'ils ont utilisée avec les AFDL, avec Mouzé, pour que venir vraiment déstabiliser les institutions na ba komati na Kinshasa. Ata ba tubaza koloba keno ba oyo koma Kinshasa te ba okyo kokate koma na Kinshasa. Nous parlions de ça de tous les jours tango AFDL ezako avancé malembe et tozako mona ke phase et bandai kozala ko crambolé petit à petit, bazui Goma, bazui Butembo, bazui Kisangani, bazui Kisangani guerre mweke ilzuso ti kote a Shaba ti Pweto titi Kinshasa zala etombaka na AFDL. Et c'est la même chose si nous ne faisons pas une grosse analyse totale ndenge nini place tozali tokoki ko se retrouver lisusu na eloko wana. Alors mes chers amis, avant de terminer, je voudrais encore remercier Batunyo surtout au bazako s'abonner. Et si vous voulez encore une fois de plus soutenir chaîne Oyo, bao bozola nanga pour la première fois, mettez les j'aime, ceux qui bo like te bo tchaboye, ceux qui bondima bo s'abonner, surtout ceux qui boza abonné te. Partagez aussi cette émission parce que c'est dans ce partage là que ça nous encourage à continuer à réfléchir pour notre pays. Merci beaucoup, donc on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.